Donc, eh bien là, on va faire le tuto make-up parce qu'il m'a été demandé. Ok, allez, n'hésitez pas à regarder. Et mettez un petit pouce, abonnez-vous et actionnez la cloche. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Bon, maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais me maquiller à l'encre. Enfin, j'ai une petite maison. Voilà, j'ai déjà tout préparé. Je vous conseille de préparer. Il faut que je fasse mon vernis après. Voilà, je vais mettre celui-là de chez Essie. Je l'adore. C'est beige, je ne sais pas si vous le retrouverez. J'ai pas la lunette. Si ça fait focus, tant mieux. Voilà, en fait, c'est un beige. Il est très joli. Alors, moi, ce que je prends, toujours, qu'un. Make-up Révolution. T'as vu? C'est de qui je parle, hein. Make-up Révolution, il est génial. Je l'ai depuis je sais pas combien d'années, il est génial. Voilà, alors là, je prends Oula Oula de chez Benefit. Et je fais comme ceci. Moi, je vous dis, je ne suis pas une experte. C'est pour ceux qui veulent se maquiller comme ça, quoi. Voilà. Pas à l'arrache, hein, quand même, parce que... Voilà. J'en remettrai s'il faut. Donc, c'est Oula Oulala. Oula de Benefit. Je l'adore. Attendez les soldes. Quand il y aura les soldes, vous allez pouvoir en profiter pleinement, je vous assure. Alors après, moi, je prends, mais comme je ne sais pas s'il veut que je parle de lui, Studio 78, je l'ai acheté dans une boutique, je l'ai payé 20 euros, mais je vous jure, je ne le regrette pas, absolument pas. Je m'en sers pour tout, même pour les sourcils, pour vous dire, parce que les sourcils, je peux le faire avec un autre crayon, mais franchement, comme j'ai pas de sourcils, eh ben moi je prends le même, regardez. Il y a le petit embout aussi, hein. Donc, je vous dis, je me regarde. Hein. J'ai jamais dit que j'étais experte, hein, je vous le dis franchement. Hein. Alors, ceux-ci qui critiquent, eh ben, dites-le avec bienveillance. Toute critique est bonne à prendre. Mais critique constructive, pas critique pour critiquer, critique malveillante... Ça dégage. Bon, voilà, franchement, je sais pas. Hein, je fais comme je le sens. Vous pouvez prendre des crayons de sourcils. Hein, l'un plus haut que l'autre, je crois. M'en fous. L'essentiel, c'est que ça donne quelque chose de bien. Maintenant, je reprends le même crayon. Et moi, je fais des économies. Hein. Et voilà, regardez ce que je vais faire. Je vais faire un trait. Alors, je vais faire plusieurs traits. Hein. Voilà, je vais faire un trait. Un deuxième. Je vais faire plusieurs fois des traits. Voilà. Je sais pas me maquiller comme les stars. Hein. Je me maquille à ma façon. Si ça peut vous aider, avec grand plaisir. Je le fais en partie pour toi. Parce que tu es adorable depuis le temps que tu me suis. D'ailleurs, tous mes abonnés, vous êtes des amours. Donc, pour l'instant, je range celui-là qui est mal mis. Voilà, ça, ça va là. Oui, Ivy. Ivy, elle adore le make-up. Bon, ce que je vais faire, vous allez être choqués. Moi, j'aime le violet, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Mais moi, en ce moment, je veux du violet. Donc, je prends du violet. De la palette qui est en promotion en ce moment de Friend. Forever Fly Must, elle est en promotion en ce moment à 9,50 je crois. Par contre, il me faut la glace. Hein. Sans glace, je suis perdue. Vous voyez, je tapote. Oh, je suis désolée, il faut que je fasse mon vernis. Je tapote légèrement. Voilà, je tapote comme ceci. Je vous dis, c'est pour faire un joli effet. Hein. C'est pas pour faire un concours de beauté. Hein. Alors, faut savoir qu'il y a un œil qui est toujours plus mieux que l'autre. Alors, pourquoi? Ça, j'en sais rien. Voilà. Ah, au fait, donc, je vous montre, regardez. Ivy, mon chat. Ma terreur. Regardez, faut pas laisser un masque. Voilà, on pourrait laisser comme ça. Allez, hop. Hein. Vous avez vu? Allez, franchement, avec le doigt, même pas le pinceau. Vous n'avez pas besoin de prendre le pinceau. Là, je vais prendre le pinceau. Mais franchement, c'est pas nécessaire, honnêtement. Je vais me maquiller qu'avec cette palette-là. Je vais prendre ce rose-là. Voilà. Ok. Et je vais
tapoter. Je suis obligée de regarder. Hein. Vous voyez comment je tapote? Regardez, de haut en bas. De haut en bas. C'est ce que je fais. Hein. Il y en a peut-être d'autres qui font autrement. Hein. Moi, je fais comme ça. Et puis là, je vois que ça ne me plaît pas parce qu'il n'y a pas d'effet. Donc, on va faire un truc. On va prendre le doigt. D'accord? Et cette fois-ci, voilà, vous avez vu. Normalement, je mets de la crème, mais je ne vais pas vous la mettre parce que vous n'en avez pas toutes du prime pour les paupières. Sinon, on met du prime pour les paupières. Voilà. Franchement, moi, je vous dis que ça, j'espère que ça vous plaît. Vous avez vu comment c'est simple? Il n'y a pas plus simple, hein, combien de temps j'ai mis. Voilà, et après, je remets du crayon noir. Hein. Et vous prenez pas la tête. Hein. Moi, je ne me prends pas la tête, hein, je vous dis. Hein. Je vais prendre un pinceau. Alors, par contre, cette couleur-là me plaire pas tellement. J'ai acheté une nouvelle palette dernièrement. Du coup, moi, j'adore tout ce qui est irisé. Hein. Je ne vous cache pas que tout ce qui est irisé, c'est ma cam, comme on dit. Eh bien, voilà. Je kiffe. Hop. Hop. Voilà. Et là, ici, une petite touche de lumière. Bien sûr, il va falloir remettre du crayon noir. Voilà. Et là, je vais remettre du crayon noir. Hop. J'ai plus de musique. Vous m'attendez 2 minutes parce que j'ai plus de musique. J'adore. Attendez, il faut que je me regarde parce que là je me regarde pas. Alors moi j'appuie, hein. Mais vous n'êtes pas obligé si vous avez un crayon gras. Il est très gras celui-là, je vous cache pas qu'il est extrêmement gras. Voilà. Et là maintenant, alors c'est le truc fatidique qui me fait mal. Ah, peut-être celui-là il me fera moins mal. C'est un spécial eyeliner. Alors, je vais faire un truc vers le nôtre et je vais mouiller mon pinceau. D'accord? Et là, ben, je vais reprendre celle-ci. Ok? Maintenant, c'est minutieux. Je vais aller en dessous, là. D'accord? Voilà. Vous voyez? Et du coup, là, il va falloir que je remette un petit peu. Moi, je vous dis, je fais à l'arrache. Hein. Je peux pas me permettre de... Enfin, avant, je pouvais pas me permettre. Voilà. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est souvent comme ça qu'on gâche tout le maquillage, le make-up. Je vais en mettre là. Je vais en mettre juste là. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un truc comme ça, voyez. Voilà. Et comme ça, vous ne vous trompez pas. Regardez. Voilà, vous l'avez juste mis où il faut, mais vous l'avez encore... parce que là, je vois pas, hein, je ne vous cache pas que je vois pas. Hein. Là, voilà. Voilà, et donc, on remet du crayon noir. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, ce qu'on peut faire, je dis bien ce qu'on peut faire, si vous avez de l'highlight, ici, vous prenez un petit pinceau. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir plein de pinceaux, c'est casse-pieds. Hein. Voilà. Mais si vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire à la main. Hein. Alors, mais si vous voulez faire un peu plus de... Voilà, je vais prendre ça. Alors, ça, c'est de l'highlight, hein, ça brille. Hein. Ça, faut pas se tromper. Hein. Alors, il y en a qui vont me critiquer, je m'en fous complètement, critiquez-moi. Moi, je suis pas là pour, comme on dit, je suis pas là pour rendre du rêve. Et ce que je vais faire, je vais remettre du violet par-dessus le noir, au-dessus. Voilà. Voilà, comme ça, il y a le noir. Alors, il y en a qui floutent, mais franchement, à quoi ça sert de flouter si du croc se décarcasse, quoi. Voilà. Je sais qu'il y en a plein qui vont être choqués, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. J'ai pas de blush, je sais pas où il est. Non, j'en ai pas. J'en ai plus, il faut que j'en achète. Et en plus, j'en ai même pas acheté en ma commande. Je mets un peu de rouge à lèvres. Voilà. Si vous n'avez pas d'argent, vous mettez de la betterave. Et là, je vais prendre le crayon de chez Avril. Ça coûte 3 euros.
Et en plus, c'est bio. Ah, c'est le crayon, mais moi je le mets comme ça. Voilà, il y a des trucs qui existent. Alors moi, je n'achetais pas ça, je l'ai acheté. Enfin, ça peut marcher pour vous, hein. Kiko, franchement, c'est une grosse cochonnerie. J'ai payé ça rien du tout. 8 euros ou 9 euros ou 12 euros. Ça fait ça ou rien, c'est pareil. Alors c'est peut-être moi, hein. C'est peut-être moi. Et là, du coup, je vais mettre le rouge à lèvres qui va avec, de chez Avril. En tout, j'en ai eu pour 7 euros les 3. Voilà. Voilà. Et ce que j'adore faire, c'est mettre du gloss de chez NYX. Du gloss Instinct, Filer Instinct. Voilà, et il me manque une chose, une seule, le Lash Paradise. Et je remettrai un peu de. Et j'espère que ça vous plaira. Attendez, si on fait comme ça. En même temps, vous voyez la cheminée. Enfin, c'est une bonne cheminée, mais. Ah, il faut en mettre. Franchement, quand on dit ouais, c'est super et tout, regardez, moi je mets le Lash Paradise. On dit oui, c'est super. Ouais, mais il faut en mettre. Hein. Je ne vous cache pas qu'il faut en mettre un paquet. Hein. Si vous voulez un bel effet, il faut en mettre. Quand les influenceuses, elles vous disent oui, c'est super et tout, bah. Voilà. Regardez, regardez, j'en mets beaucoup, hein. Il n'y a rien encore, hein. Voilà. J'en mets dans l'œil. Allez, là je vois, ça me plaît pas. Voilà. Et voilà. Bah, une journée avec moi. Après, on va manger. Je vous reprendrai. Est-ce que vous avez vu? Ça fait pas encore un effet, hein? Franchement, Lash Paradise, la pub, croyez pas tout ce que vous voyez. Moi, je vous le dis, croyez pas tout ce que vous voyez. N'écoutez pas tout ce que vous entendez. Regardez, combien de temps je vais le mettre? C'est en direct, hein? J'arrête parce que ça me saoule. Voilà, alors maintenant. En plus, ça fait un paquet. Je n'aime pas. Voilà. Au bout de combien de temps? Alors, il paraît que de poudrer, c'est plus rapide. Mais voilà, là maintenant, ça fait joli, mais il fallait du temps, quoi. Et ceux qui ne trouvent pas ça joli, je m'en. Vulgairement, je m'en balèque. Voilà. Bon, c'est même pas vulgaire d'ailleurs. Parce que c'est une abréviation. Voilà. On dirait la mère Adams, là. Du coup, voilà. Bah, j'espère que ce make-up vous plaît. Voilà, j'ai fait vraiment un tuto make-up pour vous faire plaisir. Je vais le mettre dans ma journée 24 heures, mais bon, je vais la diminuer. Mais voilà, j'ai utilisé cette palette Forever Flawless. Sur Makeup Revolution, vous la trouvez vraiment à des prix 8,50, je crois. J'ai pris celui-ci, j'ai pris celui-ci, et j'ai pris sur l'autre palette. Mais je ne suis pas obligée, hein. Si vous achetez qu'une palette, vous pouvez prendre celui-ci, là, celui-ci, et vous pouvez prendre celui-ci. Voilà, c'est parce que moi, je ne voulais pas. Et pour Noël, il y a le doré aussi, qui est magnifique. Et là. J'ai pris celui-ci. Voilà. Elle est en pro. Je sais pas si elle est en promo. Elle était en promo. Regardez les codes promo, franchement. Je vous donnerai des bons plans parce que j'ai plein de bons plans. Pas pour. Parce qu'il y a Igral, machin, mais moi, ça m'intéresse pas tout ça. Je veux dire, parce que j'ai pas envie. Je sais qu'il y en a plein qui le font. Moi, ça m'intéresse pas.
Je vous dis, les partenariats, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Tout ça ne m'intéresse pas. Je fais juste du partage pour vous, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si ma vidéo va vous plaire. En tout cas, ce make-up du jour est fini. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo. Je vais le mettre dans le vlog du jour, dans le vlog masse du jour. En tout cas, bah voilà. Surtout, regardez, je vais me pousser. Regardez en fond ce qu'il y a. Ah, vous ne voyez pas. Mettez un petit pouce. Mettez un gros pouce bleu. Ça me permet de pouvoir faire encore d'autres vidéos parce que la millième, on l'a fait. Et puis, surtout, abonnez-vous. Voilà. Allez, c'est tout ce que je peux vous dire. Abonnez-vous. Et puis, préparez bien les fêtes de Noël parce que c'est très, très important. Je vous aime. Même si vous n'avez pas d'argent, avec rien, on peut faire des choses. D'accord ? Avec pas grand chose. Vous avez des associations qui peuvent vous donner des choses. Plein. Il y a même des associations pour les étudiants qui donnent. Donc, renseignez-vous. Il y a toujours une possibilité de fêter Noël. Je sais qu'il y a même des personnes qui prennent des grands-mères avec elles. Voilà. Donc, il y a plein de possibilités. Sur ce, cette fois-ci, je vous dis I love you. Ich liebe dich. Te quiero, ti amo. Et je vais faire ceci. Namyo rengekyo, namyo rengekyo, namyo rengekyo. Que l'année 2022 bientôt arrive et qu'elle soit merveilleuse. Et que les personnes nocives ne soient plus nocives, tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis